Clairement, le choix d'un focus stratégie GmbH, Mittwoch, 26. januar 2022. Es geht weiter mit dem Convenant de Stanz. Hein, Convenant de Stanz. Jetzt haben wir Convenant de Stanz. Das haben wir vorhin folgendermaßen. Oder das nennt sich Stanzer Verkommnis. Stanzer Verträge. Ich nenne es Stanzer Verkommnis. Und zwar ist das vom Stanzer Verkommnis vom 22. Dezember. Le Convenant de Stanz, 22 décembre 1481. Das nennt sich Le Convenant de Stanz. Alors, le convenant de Stanz de 22 décembre 1481. Accord fait entre les 8 cantons des ligues qui sont Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden, dessus et dessous. Les Bois, Zug et Glaris. Fait le premier samedi après la fête de Saint Thomas. Apôtre 1481. Au nom de Dieu, la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous, les bourgmeisters, maîtres, les avoyers, les amants, conseillers, bourgeois, paysans et communautés généralement des villes et pays, si après nommés, commémorant de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden, dessus et dessous les bois. Alors, hein, dessus et dessous les bois. Zug, avec les offices forains et Glaris, appelés les 8 cantons des ligues, confessons publiquement et faisons savoir à tous ceux qui verront et auront ces présentes lettres, comme ils soient, convertis de nos perpétuelles alliances jurées, lesquels, par l'aide et assistance de Dieu éternel, ont jusqu'à présent grandement servi au bien repos, paix et tranquillité de nos prédécesseurs et de nous. Nous soyons perpétuellement conjoints tous ensemble. Et pour plus ferme et vigilante sollicitude les uns sur les autres, aussi afin que les dictes nos alliances demeurent tant plus stables et de plus grand efficace et vertu pour conserver et entretenir tous nos pays et sujets en bonne paisible tranquillité et repos. Nous, pour ce cause d'un commun advis et conseil par bonne et utile confédération, avons unanimement et amiablement accordé, déclaré et conclu les choses ci-après escrites, lesquelles en tout leur point et article sans aucune mutation par nos bonnes foi, voulons et entendons pour nous et nos perpétuels combourgeois et successeurs et être inviolablement observés et entretenus par ci-après perpétuellement. 2. Premièrement, nous, les 18 cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug et Glaris, par nos mesmes ni par nos sujets, bourgeois, paysans ou par quelques autres, ne devons et ne pouvons marcher ou sortir les uns les autres, témérairement et de force privée, ni autrement endommagés ou molestés en façon que ce soit au corps, au bien, aux villes, pays, sujets, bourgeois, paysans, ni à ceux qui nous font conjoints et alliés par alliance perpétuelle.
de n'en prendre et saisir les biens des uns des autres. Usé de force, fâché ni tourmenté en façon que ce soit, encore moins l'entreprendre en aucune manière. Et si aucun d'entre nous, les 18 comptant, en parenthèse, ce que Dieu toutefois veuille obvier, parenthèse fermée, a généralement ou particulièrement voulu s'entreprendre les uns contre les autres des choses ci-devant, écrites pour y obvier et donner ordre que nous, que nos perpétuelles alliances jurées soient et inviolablement observées. Protégées et défendues, et que tant plus étroitement, nous tous demeurons les uns envers les autres en bonne fraternelle amitié, paix et union. Le canton auquel ou à ces sujets telle insolence adviendront, en ce cas, nous les autres cantons devrons et voulons tous en général le protéger, maintenir et défendre fidèlement sans que chose quelconque nous y donne empêchement de telles molestations et fâcheries, tout dol expecté. Et si aucune personne privée d'entre nous, une ou plusieurs voulant entreprendre et user de telles présomptions et de témérité, comme dicté envers aucun des nôtres ou de ceux ci-devant déclarer, ici qu'ils soient ou de quel canton entre nous qu'ils le commettront, en seront incontinents selon leur démérité et exigence d'eux par leur Seigneur et supérieur, sans aucun empêchement ne contredit puni. Réservant toutefois, et si aucun de nôtre nous faisons quelque émotion ou acte punissable rière les juridictions des autres cantons, un tel sera appréhendé et puni pour se démériter, selon le droit et la coutume, du lieu où il les aura commises. Langsamen Stand. Gesetz. 2. Nous avons aussi advisé et conclu que nul d'entre nous, de notre pays de ligue, aux villes ni aux champs, ne fera ni entreprendra ouvertement ou occultement aucune particulière assemblée ou dangereuse commune, au moyen desquelles aucun en pourrait être fâché ou molesté sans le ceux ou consentement de ses sieurs ou supérieurs, à savoir de Zurich, de Bourgmeister et des conseillers de Berne et de l'Advoyer et des conseillers de Lucerne et de ceux d'Uri, de Schwitz, d'Unterwalden, de Zug et de Glarus, des amants, des conseillers et de leur communauté. Et si aucun, sans le dit consentement, entreprenant ce que dessus, oui, donnait son consentement et advis, tel et tel seront promptement et incontinent punis par leur Seigneur et supérieur, selon ce qu'ils auront mérité sans aucun délai. 4. Nous avons pareillement entre nous expressément arrêté et conclu que, dorénavant, en notre pays de ligue, parmi nous, ne devront et ne pourront pour le devoir de notre ferment les uns les autres suborner et promouvoir à se rebeller contre les seigneurs et supérieurs, n'entreprendre et les divertir du devoir qu'ils leur seront tenus. Et si quelques-uns des sujets d'aucun d'entre nous se voulant démontrer tel que dessous, en ce cas seront tenus y mettre et donner si bon ordre et fidèlement y pourvoir,
qu'ils rendent à leurs supérieurs l'obéissance et le devoir qui leur sont tenus en vertu et selon le contenu de nos alliances jurées. 5. Et pour ceux que par les lettres dressées par nos supérieurs de bonne mémoire, après la bataille de Sempach, l'année après la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, 1393, en touchant l'ordre après la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, 1393, en touchant l'ordre que devons tenir aux guerres où nous irons avec nos bannières déployées. On était dressé et conclu aucun article. Nous avons pour plus ample déclaration des cieux et pour le bien de nous et de nos successeurs en cette présente déclaration et appointement conclu et arrêté avant que voudrions marcher contre nos ennemis pour ci après avec nos bannières ou enseigner déployer tout en général ou autrement de nos villes ou pays particulièrement. Et tous ceux qui leur marcheront avec nos bannières ou enseignés demeurent après d'Israël, comme gens de bien. Ainsi que toujours ont fait nos prédécesseurs, quelque nécessité que à nous ou à eux pourrait advenir fût-on combattant ou en asseyant comme plus amplement cela et d'autres points. Et articles seront spécifiés et déclarés en dictes lettres dressées après la dicte journée de Saint-Pâques. 6. Davantage avons conclu et arrêté qu'en premier lieu des dictes lettres de Saint-Pâques conséquemment, celles faisant mention des prêtres et d'autres choses. Pour nos prédécesseurs dressés en l'an de notre Seigneur courant 1370. En tout leur contenu, point et article, comme aussi le présent amiable appointement, dorénavant demeurant et seront entretenus et observés en leur force et vigueur pour perpétuelle mémoire, lesquels aussitôt et qualité foi que jureront nos perpétuelles alliances seront entre nous et tous les cantons ouvertement par devant les communes le et publiés. Nous avons aussi conclu et arrêté entre nous toutes et quantes fois que ferons la guerre contre aucun. Le pillage, soit en argent ou en autre bien qui en telle guerre, assaut et combat, sera avec l'aide de Dieu par nous gagné et recouvert. Qui soit, selon la valeur et le nombre de gens que un chacun canton aurait fourni, également distribué aux personnes qui auront été en tel voyage et si en telle guerre nous venions à gagner quelques pays, villes ou châteaux, sans rente, péage et autres juridictions. Sera parmi nous et entre un chacun comptant également. Comme du passé amiablement détribué, aussi les choses que dessous estoient rachetées de nous pour quelques sommes d'argent, telle qu'elle pourrait être, sera-t-elle argent aussi également divisé parmi nous, les dites cantons amiablement, tout dol excepté. 8. Nous avons aussi déclaré et expressément conclu que son présent amiable et perpétuel appointement sont et doivent être compris. Tant nous les déçus dites cantons de ligue que tous ceux qui marchent à la guerre avec nous, nos sujets, bourgeois, paysans et tous ceux qui sont en perpétuelle alliance et confédération avec nous, excepté les villes, châteaux, pays, sujets censés, rentes, péages et seigneuries, qui par nous, les villes et pays de sud-dites, comptant comme dites, auraient été gagnés, divisés et distribués. Nous réservons aussi expressément que tout ce que dessous est dit et déclaré ne doit en façon que ce soit porter préjudice à nos perpétuelles confédérations.
Ainsi, par vertu de cette, s'ils doivent demeurer en leur force et vigueur, en tout leur contenu, sans aucune mutation, fermement et inviolablement, tout dol excepté. 9. Et pour ferme corroboration des choses ci-dessous écrites, nous les 18 cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Urichwitz, Unterwalden, Zug et Glaris, pour nous et nos perpétuels successeurs avons fait mettre nos sceaux à ces présentes 8 lettres, et en avons retiré chacun de nous une semblable forme et substance qui furent factes le premier samedi après Saint Thomas Apostre, l'an après la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, 1481. On a entendu maintenant le Stanz der Verkommnis, convenant de Stanz. On voit déjà une forme de règlement, hein, une première forme de constitution. Et on verra plus tard dans la playlist Bundesverfassung Schweiz que ça continue à se concrétiser de plus en plus dans une ou cristalliser dans une constitution, hein, telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a maintenant le pacte de 1er août 1291, pacte de Brunnen, convenant de prêtres, convenant de Sempach, convenant de Stanz. Ich werde jetzt schauen, ob ich das noch heute auf Deutsch werde lesen, aber vielleicht erst morgen.